Le Moulin Rouge fêtait hier ses 125 ans, l'occasion d'une action coup de poing des Femmes. Deux militantes, une ukrainienne et une allemande, se sont hissées sur le toit du célèbre cabaret parisien. Elles ont déployé une banderole dans la continuité de l'enseigne lumineuse. On pouvait lire « Rouge est la couleur de la Révolution ». Les deux activistes ont ensuite crié le slogan inscrit sur leur poitrine « Not for sale, pas à vendre ». Au bout de 5 minutes, des membres de la sécurité de l'établissement sont venus les déloger. L'institution de la nuit parisienne située au cœur de Pigalle accueille 600 000 spectateurs par an, pour moitié des touristes étrangers, notamment chinois, russes et américains.